Aujourd'hui, les amis, il neige. Mais là, il annonce de la pluie, semblerait-il, pour faire tout du scrapage de tout. Bon mercredi, tout le monde! Bon, ben les filles, j'espère que vous me voyez bien, les gars aussi. Là, il n'y a pas de clarté parce qu'on est vraiment, j'allais dire la tempête, mais pas pantoute. C'est plus de la grosse pluie de marde qui tombe. C'est vraiment désagréable. Le matin, c'était beau. Là, c'est devenu de la chenoute. Fait qu'on a un petit peu un éclairage, un peu... Mais là, vous voyez que j'ai changé un peu de style aujourd'hui. J'ai mis de la couleur dans ma vie. J'ai dit, si ça ne vient pas à moi, je vais faire la couleur, moi, aujourd'hui. Je vais remplacer le soleil. Bon, là, j'ai été me mettre dans ma salle de bain pour avoir un retour, pour me regarder dans le miroir. Comme ça, là, je me vois. Fait que, tu vois, aujourd'hui, je me suis mis une petite chevelure. J'avais le goût de faire changer un petit peu. Puis, j'ai fait un maquillage assez coloré, comme tu peux voir. Puis, voilà. Puis, j'ai mis la perruque avec les mèches vertes. C'est une perruque faite avec des vrais cheveux. J'adore cette perruque-là. Elle est super belle. Elle est super confortable à porter. Puis, check comment elle fait naturel. T'sais, là, moi, j'ai porté ça toute l'été. Puis, elle se peigne bien. Ça vient pas. Là, ça fait un bout qu'elle est serrée dans un petit sac. Je mets des petits sachets, moi, pour l'humidité dedans, là, pour pas que ça devienne trop rêche. Fait que là, c'est des petits sachets. Tu sais, les petits sachets, là, quand t'ajoutes ton pote, là. Ben, garde les petits sachets qu'il y a dedans. Il y a une petite humidité. Ça, tu mets ça dans tes perruques. Puis ça va empêcher les perruques de devenir trop secs. Quand tu vas les serrer dans des sacs, faut que ça va, vu que c'est comme 20, je ne me souviens pas c'est combien de pourcents d'humidité que ça a, ces petits sachets-là, mais ça va garder tes cheveux plus souples. Fait que ça ne va pas sécher, tandis que tu mets ça de même, puis tu serres ça à la longue, si tu les sors pas régulièrement pour les hydrater, les peigner, tout ça, tes cheveux vont sécher. Que ce soit le synthétique, c'est un petit peu moins pire, mais les vrais cheveux, ça sèche plus rapidement. Il faut dire que c'est un cheveu. C'est un cheveu qui était sur une tête. Fait que, ben voilà, j'aime bien le. Je sais pas combien de temps je vais garder ça. Mais là, ça me tente un petit bout. Quand je vais être tannée, quand je vais trouver que mes cheveux deviennent un petit peu plus encombrants, là, je vais commencer à. Parce que des fois, je fais des choses, puis là, j'ai les cheveux dans le visage, là, ça me gosse. Fait qu'au lieu de les attacher, ben qu'est-ce que je fais, c'est que j'enlève. Tu vois, c'est ça qui est le fun avec une perruque. Puis en dessous, ben mes cheveux à cette heure ont de l'allure, fait que comme, ils ont plus d'allure qu'il y en avait là un certain moment où que je pouvais rien faire. Là. Mais ça fait du bien un petit peu de revenir comme ça. Là. Ça me change, puis ça me rappelle ma jeunesse, quand j'avais les cheveux noirs. Je le dis tout le temps, mais à chaque fois que je me mets en noir, ça me replonge dans mes folles années où ce que j'étais noire, comme ça. Puis j'avais une genre de chevelure un peu de même, mais un peu plus courte. Puis des fois, j'avais un toupette, des fois, j'en avais pas. En tout cas. Mais j'avais des cheveux comme ça, le même genre de frisou, là. Puis j'avais sensiblement la même épaisseur. J'avais quand même beaucoup de cheveux quand j'étais jeune. Là, c'est sûr, on vieillit. Quand tu vieillis, t'en as un peu moins épais que quand tu étais jeune. C'est sûr que j'ai plus la tignasse de mes 20 ans, là, ça, c'est sûr. Mais pour une femme de 51 ans, j'en ai quand même beaucoup, là, t'sais. J'aime trop cette chose. Je m'aime bien aujourd'hui. Je trouve ça très joli. Donc, j'ai mis mon petit... là, je l'ai mis sur la chaîne, tu vois. Quand je le mets avec un choker, je trouve ça beau avec la petite chaîne. Là, j'ai mis le rouge. Tout ça, tout cute. J'avais des boucles d'oreilles, je les ai enlevées parce que quand j'ai des perruques, j'aime pas mettre des boucles d'oreilles. Puis c'est ça, le bijou. Puis j'ai mis mon petit choker comme ça, qui est tellement beau. C'est des fleurs avec des petites perles roses. C'est trop cute. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Fait que voilà, c'est moi aujourd'hui. Bon ben les amis, je suis de retour avec vous et là je suis en train de brasser à soir. Hier on a mangé du macaroni comme je t'ai montré. Ben à soir on va manger le restant qui reste, fait qu'on va manger encore du macaroni parce que je veux pas le perdre. Puis là je sais que si je le mets au frigidaire, là on va le manger, ça va finir qu'on ne mangera pas. Puis voilà, puis il me reste en plus un autre pot, je ne l'ai pas fait geler, fait que... en fin de semaine, là, je vais essayer de faire un petit quelque chose là, avec ça, là, peut-être. J'ai bien de la sauce, fait que peut-être que je ferai une lasagne, pourquoi pas, ça peut être bon. Fait que la journée, ça passe très bien, il mouille encore, c'est une journée assez... Il mouille. Moi, j'aurais voulu de la neige, mais ça a l'air que c'est de la pluie. Fait que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que je te laisse, je continue mon repas, puis je te reviens tantôt. Bon, ben là, tout le monde, je vais vous conclure cette vidéo.
Je m'en vais me démaquiller et puis ensuite, ben, je m'en vais faire me préparer comme d'hab pour ma petite soirée, popcorn, écouter des petites affaires, puis après ça, ben, tomber dans les bras de Morphy. Donc, je vous laisse et on se revoit.